Amis de Beaulieu-les-Fontaines que nous avons rencontrés l'année dernière. Votre hospitalité était un crédit à vous tous et toutes nos félicitations d'avoir fait de notre visite une journée inoubliable. Je voudrais, vous et tout le village, remercier de ce souvenir de mon grand-oncle Franck et de ses compagnons d'équipage et pour la tenue de telles cérémonies merveilleuses qui permettent de conserver la mémoire de ceux qui ont perdu la vie durant la guerre. Je viens d'apprendre que, après que notre équipage a été tué le 4 mai 1944, non seulement André Lemoine et sa famille, et la famille Van Laar ont pris soin de Bun Armstrong, mais aussi les religieuses du château Jeanne d'Arc qui se sont occupées des morts de l'équipage et qui ont entretenu la tombe de l'équipage jusqu'à ce qu'elle soit transférée à partir de votre cimetière. Maintenant, nous avons retrouvé toutes les familles de l'équipage. Il serait merveilleux si nous pouvons tous être présents un jour le 8 mai à Beaulieu-les-Fontaines pour une cérémonie et apprécier la compagnie du village et de leur hospitalité. Je vous souhaite une merveilleuse journée et le temps aussi beau que l'an dernier. J'espère juste que je pourrai être là à nouveau l'année prochaine. Pour tous nos amis, prenez soin de vous et nous vous reverrons. Cordialement, Jérémy Scott. La Marseillaise.